Mais on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Paradise. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et j'ai hâte de continuer l'histoire, donc c'est parti. Donc les amis, dans le dernier épisode on avait réussi à s'extirper de la mine de Zamarat. On était parti avec notre petit léopard et notre nouvel ami l'éléphant aveugle. On avait laissé quand même derrière nous pas mal de cadavres que le roi Rodon avait tués. Il a complètement buté tous les mineurs de Zamarat en pensant que c'était des traîtres, car nous sommes descendus dans la mine et que je ne sais plus comment il s'appelle, le chef de chantier, tout simplement le chef de la mine de Zamarat a été pendu au-dessus du vide, car il n'a pas réussi à nous garder emprisonnés dans sa petite maison. Et ça lui a coûté la vie, c'est vraiment triste. Donc on se retrouve ici dans une cage, je ne sais pas encore si c'est les rebelles ou les soldats du roi Rodon. Moi personnellement je pense que c'est les rebelles parce que je ne vois pas ce que l'on ferait accroché au-dessus d'une cage si c'était les soldats de Rodon, étant donné qu'on est quand même la fille du roi. Ou alors il y a un truc que je pige pas. Mais bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi. Laissez-moi sortir d'ici. Je veux parler à votre chef immédiatement, vous m'entendez? Libérez-moi, je vous en prie. J'ai rien à voir avec cette guerre, je suis une citoyenne suisse. C'est notre chef qui décidera de ton sort. Il est bien trop occupé pour s'intéresser à toi. Mais alors pourquoi vous m'avez capturé alors si je n'ai aucun intérêt pour vous? Ouvrez cette cage, vous m'entendez? T'as intérêt à te tenir tranquille, ma fille. Parce que c'est facile pour moi de te faire taire pour toujours. Quel enfoiré! Excusez-moi. Ouvrez cette cage, vous m'entendez? T'as intérêt à te tenir tranquille, ma fille. Parce que c'est facile pour moi de te faire taire pour toujours. Bon, ça, on avait compris. Du coup. Ah! Apparemment, il y a un truc à faire là. Mais je vois pas. Alors, je pense déjà que on doit pouvoir se balancer. Il y a un nid de guêpes là ou de frelons juste au-dessus de lui, ça. Excusez-moi, mais si ça veut pas dire quelque chose, je n'y comprends plus rien. Ok. J'ai capté. Ok, il faut que je me balance plus. Allez ma fille. Tu peux le faire. Putain, maintenant je vais pas réussir à me balancer. Écoutez-moi ça. Non, mais franchement, regardez. Jusqu'à présent, j'y arrivais très bien. Et maintenant, j'y arrive plus. Regardez ça! Je spoil ma souris, quoi. Je spamme ma souris, n'importe quoi. En plus, je bafouille. Allez. Ne te réjouis pas. Tu vas apprendre ce que ça coûte de s'en prendre aux soldats de la Révolution. Emmenez-la chez le colonel Siri. Alors c'est vous qui... Bonjour Malkiar. Je suis content de te voir en vie. On se connaît ? Conrad. Conrad Siri. Voyons Malkiar. Donc, c'est un révolutionnaire, donc je suppose que c'est l'armée rebelle. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai balancé le nid de frelon, il y avait d'autres cages en arrière-plan et les mecs étaient mal en point, j'ai l'impression. Donc bon, il fallait pas rester trop longtemps là-dedans. Hein. Conrad Siri? Non. Non, je vois pas. Alors c'est toi qui dirige cette révolution? On peut dire ça comme ça, Malkia. Aujourd'hui, vous êtes les vainqueurs, n'est-ce pas? Sans doute, Malkia. C'est une affaire de jour. Mais Rodon a encore des fidèles dans ce pays.
J'ai quelques problèmes de mémoire, alors je suis obligée de croire ce qu'on me raconte sur moi-même. Je comprends. Pourtant, nous sommes de vieilles connaissances, Malkia. À Genève. Essaie de te souvenir. Donc ils se connaissent en plus. Ils se connaissent vraiment, eux. Mais qui est ce mec ? Je me souviens des jardins de l'université et de rien d'autre. À Genève, nous organisions la révolution qui aujourd'hui est en marche. Notre mouvement s'appelait Morani Nouvelle. Nous avions alors d'interminables discussions sur l'avenir démocratique de ce pays. On m'a dit que j'étais la fille de ce roi. C'est idiot. Tu es la fille de Rodon, Malkia. Rodon n'est plus un bon roi, n'est-ce pas ? Rodon est un monstre, Malkia. Tu l'ignorais ? Mon père, il est là-bas, dans ce bateau. C'est le coffre noir, la forteresse de Rodon. C'est là que tu as passé ton enfance, sans doute, avant qu'on t'emmène à Genève. Rodon, c'est la fin pour lui ? Oui, mais j'ai besoin de toi. J'ai un service à te demander. Que veux-tu me demander, Siri ? Je n'ai rien à voir avec cette révolution, Je veux rentrer à Genève, je veux rentrer chez moi. Tu es déjà rentrée à la maison, Malkia. Tu es chez toi, ici. Siri, où veux-tu en venir ? La révolution s'est parfaitement déroulée jusqu'ici. Ce serait bien qu'elle se termine rapidement, sans effusion de sang inutile. Va dire à Rodon que c'est fini pour lui, qu'il doit se rendre. Tu veux que je te livre le roi ? Mais je le connais pas, Je m'appelle Anne Smith. Je veux gagner du temps. Mais je ne lui promets rien, Malkia. Je veux qu'il abandonne officiellement le pouvoir pour que cette guerre cesse au plus vite. Seule sa propre fille peut le convaincre de ça. Que faut-il que je fasse, Siri ? D'abord, pénétrer dans ce bateau et faire taire au plus vite les tam-tams. Vous avez un problème avec les tam-tams, colonel Siri ? Oui, mes soldats sont superstitieux. Ils croient encore que Rodon possède des pouvoirs surnaturels. Tant que ces tam-tams funèbres se feront entendre, ils refuseront d'attaquer ce navire maudit. Et tu voudrais que je les arrête, c'est ça ? Oui. Au plus vite. Après, mes hommes investiront le coffre noir. Donc, tu veux que j'entre dans le coffre noir, que j'arrête les tambours et que je persuade Rodon de se rendre ? Oui. C'est ça, Malkia. Je vais faire ce que tu veux, Siri. Adieu. Prends ce talkie-walkie, Malkia. Il nous permettra de rester en communication, toi et moi. Alors, je veux bien qu'elle ait des petits problèmes de mémoire, qu'elle soit un peu perdue. Je pense qu'elle est dans le déni, en fait. Elle est dans le déni. On a beau lui dire que c'est la fille du roi Rodon, qu'elle s'appelle Malkia. Je pense qu'elle est vraiment dans le déni. Voilà. Elle ne veut pas y croire, en fait. Elle commence à y croire, mais elle ne veut pas. Elle veut rester dans son invention de vie dans laquelle elle s'appelle Anne Smith. Ce que je trouve bizarre, c'est que bien qu'elle n'ait pas connu son père et que qu'elle est très peu connue, qu'elle n'en ait pas de souvenirs, le mec lui dit il faut que tu dises à ton père de se rendre, il va perdre la guerre, c'est comme ça, c'est toi qui dois lui dire, on va l'attaquer dans son bateau, dans sa forteresse. Normal, elle a l'air de vouloir l'aider assez rapidement. Alors certes, le mec a fait quand même des atrocités, je suis entièrement d'accord, mais c'est son père, et là elle est perdue, elle ne sait pas vraiment qui il est, elle ne croit que ce qu'elle entend, elle ne peut pas vraiment se faire un avis, bon à part ce qu'elle voit, si c'est vrai, elle a vu des atrocités elle-même, et donc voilà. Mais à part ça, je trouve ça rapide quoi, je trouve qu'elle est vraiment en mode, ok, il n'y a pas de souci, mon père c'est Rodon, c'est un trou du cul, donc... Il faut que je lui dise d'arrêter la guerre, quoi. Voilà. Ok. Bon. Je trouve ça assez facile, assez simple, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça vachement simple. D'ailleurs, lui, on sait pas qui c'est, hein. On sait juste qu'il était à l'université de Genève, apparemment, et que... ils ont préparé la révolution de Morani, ce que je trouve d'ailleurs bizarre. Étant donné qu'elle est quand même la fille du roi Rodon, encore une fois, je le répète. Hein. Alors... Peut-être qu'elle était réellement en conflit avec son père déjà à l'époque à Genève et que voilà, elle a lancé ça pour le contrer. Peut-être que vraiment ils ont vraiment des relations merdiques et que dès le début ils peuvent pas se blairer, hein, mais bon, on va se dire ça. On va se dire
que ça se passe comme ça. Ah, j'ai un truc à prendre. Donc j'ai dans mon inventaire un talkie-walkie des émeraudes pour pouvoir peut-être flamber un peu dans le futur si, si tout se passe bien pour moi. Qu'est-ce qu'il y a du coup sur ces documents? Alors, armée de libération de la mort à Colonel Mambo. D'ailleurs, qui je ne sais plus, vous savez, dans l'avion, on avait récupéré une lettre. La lettre d'un gars qui nous disait qu'on était la fille du roi Rodon, blablabla. Enfin, ça a l'air d'être quelqu'un de proche de Rodon et quelqu'un que l'on connaissait gamine. Mais voilà, et je trouve que l'histoire est dure à suivre. On la comprend, mais les subtilités et les petits détails sont assez compliqués, je trouve, à suivre. Ou alors c'est moi qui loupe énormément de choses, je ne sais pas. Dites-le moi si jamais. Alors, colonel Monsieur Mambo, ou M. Mambo, je ne sais pas, le coffre noir est là sous nos yeux. Le combat contre les Bulus a été rapide et sanglant. Qui sont les Bulus? Je ne sais pas. Ce sont de redoutables adversaires. Nos pertes sont importantes et malgré notre victoire, le moral ne suit pas. Alors, peut-être que les Bulus sont tout simplement les soldats de Rodon. Je ne sais pas. Alors, depuis, les tambours du roi, je suppose qu'il devait peut-être y avoir marqué roi. Non. Depuis les tambours du coffre noir. Ah, ok, ça doit être XXX. C'est peut-être parce qu'il a fait une faute et du coup il la corrige. Alors, depuis les tambours du coffre noir se sont mis à battre l'hymne funèbre, des Bulus. Mes hommes prennent cette musique très au sérieux. Ils refusent catégoriquement de s'approcher, de peur que les mauvais esprits ne s'emparent de leurs âmes après leur mort. Ils refusent même d'ouvrir le feu sur le navire. Je dois avouer que Rodon s'est joué de toutes les superstitions. J'ai besoin que vous envoyiez ici un commando d'hommes aguerris prêts à entrer dans le navire royal et à faire taire ces foutus tambours, une bonne fois pour toutes. Ainsi, je pourrai donner l'assaut et en finir avec cette guerre. Pour la révolution et l'avenir de la Morannie, colonel Siri. Ok, donc il envoie ça à Monsieur Mambo. Qui est Monsieur Mambo? Je ne sais pas. Enfin, c'est un colonel, certes. Mais, ok, donc, du coup, il va nous envoyer, nous, une femme, une pauvre femme désespérée. Pas désespérée. Vous avez compris. Alors, colonel Wamini. On vient à l'instant de me rapporter les faits regrettables qui se sont déroulés à Madargan. Si je peux comprendre, d'après une telle offensive, vos hommes aient besoin de distraction. C'est vrai que, d'un côté, Rodon est un enfoiré parce qu'il a buté les hommes de la mine parce qu'il les a pris pour des traîtres, en pensant qu'ils n'avaient pas réussi à garder saine et sauf sa fille. Mais les rebelles ont quand même buté les gens de Madargan. Alors je veux bien que les gens de Madargan étaient des fervents disciples de Rodon, mais le pauvre roi de Madargan, enfin le prince de Madargan, pardon, personnellement, il était plutôt sympa. Hein. Il nous a bien aidés, il s'est occupé de nous, il nous a soignés. Le but est gratos aussi parce que ses convictions ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est pas cool non plus, quoi, j'ai envie de dire. On n'est pas là pour faire de la politique, mais bon, moi, j'ai envie de dire, c'est pas terrible non plus. Donc, alors, si je peux comprendre d'après une telle offensive, vos hommes aient besoin de distraction, ok, ça je l'ai lu, je ne permettrai pas que cela se fasse au détriment de la population civile. J'exige que les soldats qui ont participé à ces tristes événements soient jugés devant un tribunal militaire dans les plus brefs délais et que la sentence soit rendue publique. La sanction qui leur sera infligée, ce doit être exemplaire. Ok, donc il y en a qui sont pas d'accord avec ce qu'ont fait quand même les mecs de Madargan. D'accord. Pourquoi pas. Nous ne pouvons autoriser le moindre débordement. Notre image doit être à l'exact opposé de celle du gouvernement loyaliste. Nous sommes les libérateurs du peuple et non son prochain oppresseur, pardon. Tâchons de rester irréprochables. Donc c'est bien ce que je disais, voilà. En réagissant de cette façon-là, il se montre pas plus... Enfin, il se montre pas plus magnanime que Rodon, du coup. Donc c'est surtout que, voilà, dans la guerre, il y a des dommages collatéraux. Et du coup, certains soldats, eux... sont peut-être plus agressifs que d'autres, on va dire, et ont buté la population civile de Madargan, ce qui est bien triste. Pour la révolution et l'avenir de la Morannie, colonel Siri, est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a pas d'autre chose à lire. Bon, ok. De toute façon, on est un peu prisonnière, entre parenthèses, je pense qu'on n'a pas trop le choix de se ranger de son côté. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Je n'ai plus de questions à lui poser.
Ok, bon. Bah écoute, je vais faire ce que tu me dis sans poser de questions, hein. Aveuglément, on va dire. Allons-y. Alors, nous sommes du coup, je suppose, dans un camp rebelle. Je vais visiter un petit peu, hein. Ah! Il faut que je fasse attention, ces ronces sont très piquantes. Épine. D'ailleurs, est-ce que le bouquin d'Anne Smith, la vraie Anne Smith, nous parle de ces ronces? Parce qu'apparemment, elle a l'air de ne pas vouloir trop y toucher. Les hérons des sables, est-ce qu'on les a croisés? Je ne sais même plus. Je ne sais même pas si on les a croisés. Le topillon des sables, lui non plus, je sais même pas si on l'a croisé. Peut-être. Les araignées géantes de Zamarat. Ah, c'est ce qu'on entendait avec le léopard. Arachnide de la taille d'un poulet vivant profondément sous la terre. Son existence n'est pas avérée, mais de nombreux témoignages de mineurs semblent concordants. Dans la mine des Zamarat, on rapporte même que quelques mineurs auraient été attaqués. Alors, peut-être qu'on aurait pu tomber sur une araignée avec le léopard dans notre périple, mais je n'ai rien vu, ou alors j'ai pas fait gaffe. Si vous avez fait le jeu et que vous êtes tombé sur une grosse araignée, bah écoutez, dites-le moi, mais moi, franchement, peinard, quoi. Ça s'est vraiment super bien déroulé. Le grenouilleur boxeur, je ne sais pas non plus si on l'a vu, lui, je ne me rappelle pas. Peut-être qu'on va le rencontrer prochainement, hein. Le jeu n'est pas terminé de toute façon. Bernique géante qu'on trouve surtout aux sources du fleuve mort. Les indigènes se servent des propriétés adhésives de la puissante ventouse de l'animal. Ce, je ne sais quoi, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas, en tout cas ça ne parle pas de ronce. Donc on va continuer notre périple dans le camp. Ah, attendez, je vais couper un truc. Enfin, je crois, j'ai le curseur qui s'est affiché, mais je ne vois rien. Ah, si, gars. Ça, ce sont des roseaux. Ok, bon. Épines, roseaux. Pourquoi cet homme est-il encore prisonnier? Wamganga est le chef des Boulous. Il a fait beaucoup de crimes. Ah, je vous ai dit une connerie, il est pas mort alors. C'est le chef des Boulous. Ok, c'est lui les Boulous. Donc, il n'est pas mort. Pourquoi n'attaquez-vous pas le coffre noir tout de suite? Finissez-en. Parce que c'est le coffre noir. Les hommes ne veulent pas y aller. Rodon a de grands pouvoirs encore, c'est sûr. Rodon est seul dans son bateau. Il a chassé ses soldats. Qu'attendez-vous pour donner l'assaut? Je ne veux pas aller dans le coffre noir, mademoiselle. Jamais. Mauviette. Vous semblez effrayée. À cause des tam-tams. Personne n'aime entendre les tam-tams de Rodon. Ils portent malheur. Il semblerait que les révolutionnaires aient gagné cette guerre. Ouais, peut-être. Moi, j'ai envie de rentrer à la maison. J'aime pas faire la guerre. Je dois parler aux prisonniers. Laissez-moi passer. Va-t'en. Si vous refusez de me laisser passer, je vais en informer le colonel Siri. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien, à plus tard. Pfft.
Attendez, c'est bizarre qu'il n'y ait rien à récupérer. Peut-être. Bon, on verra tout à l'heure. Bonjour. Malkia, tu n'es donc pas morte? On se connaît? Tu es la fille du roi, celle qui amène le léopard. Nous sommes prisonniers tous les deux. Qui êtes-vous? Wamganga. Je suis le médecin du roi Rodon. Pourquoi nous retiennent-ils prisonniers? C'est la guerre. Ces soldats peuvent nous tuer ou nous libérer. C'est quoi les tambours qu'on entend? Les tam-tams funèbres du coffre noir. Que se passe-t-il ici? Les rebelles sont arrivés voici quelques heures. Ils préparent l'assaut du coffre noir. Toutes ces ruines. Où sommes-nous, Wamganga? Les Boulous vivaient ici. Mais les rebelles ont rasé notre village pour installer leur campement. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, en fait. Voilà. Le roi Rodon, c'est un connard. Les rebelles, ils butent tous les civils qu'ils croisent. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Vive la guerre. Qui sont les Boulous? Je fais partie du peuple Boulou. Avec qui se rallier, les amis? Avec qui? Nous étions les serviteurs les plus fidèles de Rodon. Sa garde rapprochée. Pendant de nombreuses années, les Boulous ont été le bras armé des sombres volontés de notre roi. Nous étions prêts à mourir pour lui. Et pour lui, je dois dire que nous avons eu beaucoup de sang sur les mains. Mais Rodon nous a chassés, comme des chiens. Wamganga, pourquoi le roi vous a-t-il congédié? Le roi te croit morte au fond de la mine de Zamarat. Il nous a accusés de ne pas avoir su assurer ta protection. Rodon, comment va-t-il? Je ne sais pas. Il s'est enfermé dans ses appartements. Il ne veut plus voir personne. Alors les rebelles ont gagné cette guerre? Sans doute. Ils ont désormais le contrôle du pays. Wamganga, vous savez comment on pénètre dans le coffre noir? Cherche, Malkia. Il doit bien y avoir une faille dans cette forteresse rouillée. C'est sûr que s'il me l'avait dit, ça aurait été trop facile. Ciri, le chef des rebelles, m'a demandé de convaincre le roi de se rendre. Conrad Ciri ne connaît pas son ennemi. Au revoir. Ok, bon. Il nous a pas appris grand-chose. C'est surtout... En fait, discuter avec lui, c'est surtout pour se positionner, en fait. Voilà. C'est surtout pour encore faire des commentaires négatifs sur Rodon, voilà, et dire que c'est mieux d'être chez les rebelles, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Il nous aide pas trop pour savoir comment rentrer dans le coffre noir. On dit cher, que gars. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va chercher. Écoutez, on n'a pas trop le choix. On va finir de visiter le camp et après on avisera. Tiens, encore un vendu. Au fait, pourquoi n'attaquez-vous pas le coffre noir tout de suite? Finissez-en. Parce que c'est le coffre noir. Les hommes ne veulent pas y aller. Rodon a de grands pouvoirs encore, c'est sûr. Ou alors c'est le même gars qui a changé d'endroit, en fait. Il semblerait que les révolutionnaires aient gagné cette guerre. Ouais, peut-être. Moi, j'ai envie de rentrer à la maison. J'aime pas faire la guerre. Ok, il y a la même conversation. C'est bon. Même si c'est pas lui, il y a une même conversation. Aucun intérêt de lui parler. On vient de là, donc on va aller là-bas, si je me plante pas. Par contre, il faudrait qu'il dégage, parce que du coup, il fait bugger mon curseur. J'aimerais bien aller par là-bas.
Ok, erreur de parcours. C'est par là qu'il nous faut aller. C'est bizarre qu'on puisse leur parler. C'est pour qu'ils nous racontent vite les mêmes dialogues, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Ah, regardez, on voit le coffre noir d'ici. Grosse bâtisse, hein. Comme dans tous les jeux de Benoît Sokal, il y a toujours un truc quand même. Il y a toujours des constructions. Ça, c'est ce que j'aime par contre. Voilà, dans ces jeux, c'est ce que j'aime. Vraiment des constructions de fou. Vraiment une invention. Le mec, c'est un génie dans ce genre de choses, quoi. Voilà. Pour inventer des mécanismes, des machines, même des histoires, hein, il est très fort, hein, même si Sexy n'est pas ma préférée. Le mec est quand même bon, voilà, faut se l'avouer. Rodon est seul dans son bateau. Il a chassé ses soldats. Qu'attendez-vous pour donner l'assaut? Je ne veux pas aller dans le coffre. Oui, il ne veut pas aller dans le coffre noir parce qu'il y a des tam-tams de guerre. Ok. D'accord, donc on voit le coffre noir d'ici. Mais on ne peut pas y accéder. Quel est l'intérêt d'aller jusque-là? À part peut-être du coup voir le bateau. Ce qu'il nous a dit de toute façon, l'ordre, c'est qu'il faut qu'on cherche. Donc il va y avoir un truc à faire. Un peu que je vois pas un truc. On va retourner voir Siri, qui est le commandant des rebelles, il me semble. Ah, il y a plusieurs gars là. Il y a celui avec la lance et celui avec son flingue. Peut-être qu'ils ont pas les mêmes choses à dire. Au fait, vous semblez effrayé. À cause des tam-tams. Personne n'aime entendre les tam-tams de Rodon. Ils portent malheur. C'est bon, je n'insiste pas. Je n'ai plus rien à lui dire. Ok, bon, on n'a plus rien à lui dire. Mais qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire? Il nous faut rentrer dans le coffre noir, ça c'est sûr, mais comment? On a un talkie-walkie pour être en... Je sais même pas si on peut l'utiliser, ce truc. Ça ne lui servirait à rien. En vrai, si je... Comment je peux utiliser ce truc? On a un document, on a des épines, et on a un roseau. Ah. C'est vrai que j'ai pas tenté de... Je n'ai pas de raison de lui offrir ceci. C'est pas faux. C'était pour essayer de l'acheter. Voilà, j'avoue, j'ai tenté de l'acheter. Donc, là on est allé. Ah, peut-être là-bas. J'ai pas fait gaffe. Ok. Là-bas. Est-ce que je retournerai pas vers les cages? Yeah. On pouvait voir de plus près la table. Hein. Et je trouve ça quand même bizarre que je n'ai plus rien récupéré. J'ai récupéré des roseaux. J'ai récupéré des épines. Mais rien de plus. Attendez. Là, il y avait un truc pour faire une action, non? Ou c'est moi qui délire? Ah, ok. Alors, attendez. Il y a un truc à faire sur l'arbre. Mais quoi? Attends. À la limite, il faudrait qu'il se barre. Parce que je pense que tant qu'il est là... Ça ne lui servirait à rien.
Je refuse de lui donner cet objet. Ça ne lui servirait à rien. Ouais, ben, j'essaye, excuse-moi d'essayer. Attends, c'est quand même bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? On peut regarder, ici. Mais il n'y a absolument rien à récupérer. À moins que c'est pour nous montrer qu'il y a une radio. Et que du coup... Je pense que c'est pour la radio. Donc, attendez, je peux aller là. Là, je reviens. Et j'avais une autre flèche pour aller sur le côté. Ah, attendez. Ah! Voilà. Ce serpent m'empêche de passer. T'es comme par hasard, cette sacrée de serpent m'empêche de passer, quoi. Bordel. Si je lui balance ses mots dans la tronche. Jusqu'à présent, ça a quand même plutôt bien marché. Pour accéder au coffre noir, ça va être par là. Mais il va falloir que j'enlève cette petite serpent. Ok. Elle bug complètement dans le décor. C'est pas grave. Ah. Ok, non, c'est juste pour entrer. On va repartir en arrière, on sait qu'on peut accéder ici, à cette zone. Mais il n'y a rien d'autre à faire apparemment. On peut peut-être repartir directement par là en fait. Si je lui lance des amendes à lui. Aucun intérêt. Il y a une corde. Là, il y a une corde, on est d'accord. On doit pouvoir la couper, je suppose, pour qu'il pour le libérer. Ben, je trouve ça quand même assez dangereux parce qu'il va certainement tomber dans la flotte, à moins qu'il soit au-dessus du sable. Ah, si je l'achète avec des émeraudes. Donne-moi ta... Je refuse de lui donner cet objet. Non. Je n'ai pas de raison de lui offrir ceci. Ça y est, je suis paumé, les amis. Ça ne lui servirait à rien. Mais... Bordel, que faire? Il y a un truc à faire ici, forcément, mais quoi? Au fait, libérer le sorcier. J'ai besoin de son aide. Les Boulous étaient la police de Rodon. Ils ont toujours été cruels avec nous. Wamganga, je le tuerai de mes mains si je peux. Bien, à plus tard. Au fait, Wamganga, un serpent monstrueux m'empêche de pénétrer à l'intérieur du coffre noir. Aide-moi à me sortir d'ici, Malkia. Je m'occuperai de ce serpent. Comment puis-je vous aider, Wamganga? Il me faudrait... un jonc. Et puis aussi, des épines de ronces géantes. Au revoir. Ça tombe bien, j'ai tout ça. Mais comment te le filer? Attends. Ah, mais je vais donner.
Au revoir. Hulk. Ce couteau est acéré mais semble fragile. Ok, donc cet endroit servait juste à ça. Donc maintenant, il me faut... Attends. Il me faut... rester près de... Et on va essayer de découper la corde. Cette phase ne vous fait pas penser à un autre jeu? Je vous laisse deviner. Putain, maintenant il faut qu'on escalade. Non. Quel enfer! Non, j'espère que ça va être assez simple. De toute façon, moi... je pense qu'il y a au moins il y a un chemin ou deux. Hein. Peut-être pas plus. Je ne sais pas. Ok, donc j'ai l'air d'être mal parti déjà. D'avoir plus d'accroche quand même de ce côté là, donc on va voir, c'est peut-être le meilleur chemin. Ça risque d'être lourd. Profitez un petit peu de notre magnifique brouillard. Ces effets spéciaux magnifiques. Ou pas. Sur le bateau, les amis, nous sommes enfin sur le coffre noir. Écoutez, je sais pas trop. Je vais faire un petit tour. Je vais faire un petit tour. Je voulais arrêter la vidéo, mais je fais juste un petit tour là, histoire de. Un fumigène de détresse. Thank you.
une canne à pêche. Absolument rien ici, c'est très bizarre. Ah, attendez. C'est moi ou je pouvais prendre quelque chose? Non, c'était pour descendre. Ok, bon. Je peux pas grimper au mât. C'est très bizarre de pouvoir accéder ici et de ne rien pouvoir faire, en fait, tout simplement. Peut-être que ça se débloquera plus tard, mais... Là, c'est là qu'il y avait le fumigène. On est déjà bloqué, les amis. On a avancé, on est sur le coffre noir, on est déjà bloqué. Ça craint, hein. Écoutez, de toute façon, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, comme ça, on essaiera de visiter un petit peu plus la forteresse du roi Rodon. Et pourquoi pas essayer de le traquer et de le trouver. Apparemment, il serait dans ses appartements enfermés. D'ailleurs, je trouve assez bizarre qu'il n'y ait personne là-dessus. Qu'il n'y ait aucun soldat pour protéger la forteresse. Au moins qu'ils soient tous à l'intérieur. Mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait énormément de... people là-dedans. Donc écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode. Dites-moi vos avis en commentaire. Je vous dis à tous, bye bye et à très bientôt. Bisous à tous.